Salut tout le monde, c'était SDV714, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous montrer comment faire un petit labyrinthe. Alors un labyrinthe, je sais pas trop comment vous expliquer, un labyrinthe, mais qui est facile à résoudre, si je peux dire à résoudre. Enfin, c'est facile à trouver la sortie en fait. Il est vraiment très facile à faire déjà. Et il est facile, donc pour trouver la sortie c'est très facile, donc vous pouvez faire ça à vos amis, comme ça c'est pas trop dur, et puis voilà. Donc déjà il va falloir un petit espace, alors un tout petit espace, voilà. Alors donc vous allez prendre, alors moi je vais prendre, je préfère quand même, alors moi après vous je sais pas, moi je préfère les blocs pleins, donc je vais prendre du bois, ouais si elle est du bois ou peut-être du gravé, ouais elle est du gravé. Voilà, enfin ça n'a rien à voir. Et vous allez avec un autre bloc, enfin moi je vais faire avec un autre bloc, vous allez faire un petit carré. Alors alors un carré, donc je vous conseille, il y a un chiffre pair, donc moi je vais faire 16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, voilà 16, donc moi j'ai fait 16 et voilà, donc ça fait 14 en fait hein. Ensuite 1 2 3 4 5, non, donc du coup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, voilà voilà comme ça. Voilà, donc moi je vais faire un... il est petit hein, le mien. Vous pouvez faire plus grand, moi je fais petit comme ça. Alors maintenant vous allez faire, donc alors moi je vous conseille 3 de hauteur. Donc je vais faire sur 3 de hauteur, moi 3 blocs de hauteur. Donc moi je fais un labyrinthe renfermé, renfermé, donc enfermé comme ça, pas un labyrinthe avec les feuilles, vous savez là. Moi je fais un enfermé pour être sûr. Après c'est comme si vous voulez hein, c'est comme vous voulez. Moi je fais avec des blocs pleins, je préfère les blocs pleins en fait, parce que tout simplement on peut pas s'échapper et c'est mieux. Enfin on peut pas, enfin ce que je veux dire c'est qu'on peut pas voir la sortie en fait, on peut pas voir la sortie avec à travers, tandis qu'avec des feuilles on peut voir à travers, ouais. Voilà, donc maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une petite entrée. Moi je vais faire une entrée, alors je sais pas combien j'avais fait là. Alors là j'avais fait une entrée de 20, donc c'est bien ça. Alors vous faites une petite entrée, donc une entrée, voilà. Et vous y mettez une porte en fer avec une plaque de pression. Moi je vais prendre une plaque de pression lourde. Voilà. Et comme ça après, donc que d'un côté, comme ça vous pouvez pas sortir. Voilà, donc ensuite ce que vous allez faire, c'est qu'avec un autre bloc, enfin moi je fais avec un autre bloc, vous comptez donc 1, 2, 3. Vous faites sur 3 en fait, tout simplement. Faites une ligne de 3. Hop. Faites une ligne de 3 après 1, 2. Donc 2 d'espace. Deux d'espace, et ensuite vous mettez le gravier. Enfin, moi je mets du gravier, mais après, vous faites avec ce que vous voulez. Hop. Alors, hop. Donc, si vous avez des questions, posez-les à mon adresse mail, hein, il n'y a pas de problème. Je suis toujours disponible. Surtout que, même dans les commentaires, hein, je pourrais y répondre, je pense. Vous pouvez faire... peut-être mieux par mon adresse mail. Si c'est des questions à propos de ma chaîne ou des choses comme ça, posez à ma sur mon adresse mail pour que je puisse garder vos commentaires. Et si c'est un commentaire vidéo ou si c'est une question à propos de la vidéo, posez-les dans les commentaires. Voilà. Alors donc, hop. Alors oui, je vous ai pas expliqué, excusez-moi. Donc ensuite, maintenant, ça, vous allez faire des petits carrés. Alors vous allez faire donc un comptant. Donc là, on a compté comme ça. 1, 2. Et hop, et là on va faire dans l'autre sens, comme ça, 1, 2, et on pose le bloc. Voilà, comme ça,
et on fait pareil, donc une ligne, et ça va faire des petits carrés, donc c'est pour que ce soit facile à faire et facile à trouver la sortie aussi. Hop, voilà. Donc deux d'espace, pareil, faites des petits carrés. Normalement ça donne des carrés, hein, pas des rectangles, sinon vous vous êtes trompé. Bon, je vais finir ça, et puis on va se retrouver tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Allez, re tout le monde, on est là. Donc j'ai fini de faire mes petits carrés de 4 blocs, donc vous pouvez faire plus de 4 blocs. Moi, c'est juste un petit exemple. Moi, je vous conseille quand même pour que ce soit facile à trouver la sortie. Et ensuite, tout simplement, donc vous allez repérer donc l'entrée. Moi, l'entrée, elle est là. Et vous allez faire une sortie donc à l'opposé. Donc moi, l'entrée est là. Vous faites une sortie à l'opposé, donc moi elle est dans le coin, donc il faut que je mette là-bas, dans l'autre coin en fait. Alors donc on va la mettre dans l'autre coin, ici, voilà. Vous mettez donc une porte où on peut que sortir, et puis voilà. Alors maintenant ce que vous allez faire, c'est vous allez, alors je pense pas qu'il y ait besoin de ça, voilà. Vous allez faire, vous allez creuser. Alors ce que vous allez faire, c'est que il va falloir dans le carré final, alors j'appelle le carré final, c'est mieux, vous allez creuser à un endroit. Moi je vais faire peut-être là, voilà, et ensuite directement ici pour qu'il y ait un virage, voilà. Donc ce que vous allez faire ici, c'est vous allez creuser des blocs, sauf que pour aller au carré final il va falloir qu'un seul passage. C'est le mieux pour qu'il n'y ait qu'un seul passage, parce que si vous en refaites un là, ça veut dire qu'il y aura deux possibilités d'y aller, et moi je vous conseille qu'un seul passage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Ce serait bien que vous... enfin voilà. Alors vous continuez, vous pouvez même partir de là, donc après d'ici à la porte, hop, creuser là et là, un passage là qui mène là et là, voilà. Vous pouvez faire vraiment des petits passages, donc là on passe là et là ce sera un piège, hein. Donc il n'y aura rien là, pareil, un endroit où il n'y a rien. Donc vous pouvez faire vraiment des petits trucs comme ça, simple à faire, donc pour que ce soit facile à trouver quand même. Pas comme certains labyrinthes, parce qu'il y en a qui sont vraiment très durs. Puis là, hop, vous faites le petit chemin directement. Voilà, donc il faut qu'il y ait un accès à tous les carrés, pour que ce soit facile. Enfin, pour que ce soit, oui, facile, enfin, pour que vous gaspillez pas de carrés. Voilà. Vous pouvez faire genre comme ça. Donc là, il me faut un passage. Le passage, je l'ai fait là. Donc... ici ce sera la mauvaise direction, ce qui amènera à rien. Hop, donc elle peut amener par exemple à un autre endroit, voilà, comme ça on peut retrouver directement la sortie. Alors celui-là il n'a pas été creusé, donc vous creusez, voilà, et puis là tous les carrés ont été utilisés. Alors maintenant, alors vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire. Vous pouvez faire aussi un plafond. Un plafond où vous pouvez mettre des petits objets, voilà. Hop, voilà, excusez-moi, j'avais trop envie de le tuer avec mon épée. Voilà, mon épée aura de feu 2, efficacité 5, recul 2, enfin bon voilà, ça n'a rien à voir. Et donc vous n'êtes pas obligé de faire le plafond. Moi j'avais fait, je pensais en plafond, ça ne se sert à rien. Voilà, donc maintenant je suis bloquée, donc je suis obligée de faire le chemin, sauf que je le connais. Hop, voilà, donc faites comme vous voulez après. Je pense que c'est comme ça, oui c'est comme ça. Voilà, vous voyez que c'est vraiment très facile, hein. Quand on trouve le bon chemin, c'est très facile. Alors vous pouvez le faire plus grand pour plus difficile, plus petit pour plus facile. Voilà, moi j'ai fait très facile, vraiment très facile. Et puis c'est facile à faire, c'est pas long. Franchement, c'est pas long du tout même. Et puis voilà, hein. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Et je voulais juste vous dire aussi, est-ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, je demande s'il vous plaît,
faire de la pub pour ma chaîne parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés en fait en ce moment et j'aimerais bien en fait d'avoir plus d'abonnés. Alors s'il faut abonner vos autres comptes parce que sinon je vais peut-être arrêter YouTube, donc pas aujourd'hui, mais je vais peut-être arrêter YouTube si j'ai pas d'autres abonnés parce que c'est un peu mon but hein, quand même de faire de faire des vidéos. Donc ah bah tiens, je me rends compte que là il n'y avait pas un passage. Vous voyez, il y a des choses qu'on se rend compte, mais après voilà, donc revérifier après hein, quand même qu'on puisse passer dans tous les carrés. Voilà, bon, on peut passer où on veut. Voilà, donc faites de la pub pour ma chaîne, demandez à vos amis, demandez à votre famille de s'abonner si vous voulez. Aussi abonnez tous vos autres comptes, abonnez-vous si c'est pas fait. Si vous abonnez, ça veut dire que la vidéo vous a plu et que mes vidéos vous plaisent tout simplement. Et donc du coup c'est beaucoup mieux. Alors donc du coup là je me rends compte que je me suis trompée parce que j'avais dit que j'allais faire un seul passage. Et j'en ai fait deux. Voilà. Et là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Donc je pense que là de toute façon je peux boucher parce que dès qu'il y en a un qui voit. Ah mais non, c'est l'entrée. Ah bah c'est parce que c'est l'entrée, c'est pour ça. J'avais pas vu. Excusez-moi. Et puis dans tous les cas, il y a deux passages. Donc vous voyez, faut faire attention à ça aussi. Hein. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Lâchez un j'aime. Et posez vos questions à mon adresse mail aussi. Voilà. Qui sera dans la description, tout ça. Demandez-moi un ami sur la PS3 si vous voulez. Je suis là, Maxime714. Enfin, ce sera dans la description. Il n'y a pas de problème, je vais le mettre dans la description. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.